Les gouverneurs régionaux ont désormais toute autorité sur leur territoire. La peur, voilà ce qui bâillonnera les systèmes séditieux. La peur de l'étoile noire. Et la rébellion? Si les rebelles se sont emparés des schémas techniques secrets de l'étoile noire, il est possible, si aberrant que cela paraisse, qu'ils parviennent à trouver une faille et à l'exploiter. Nous récupérerons bientôt les plans qu'ils nous ont volés. L'étoile noire est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers. Qu'on nous mette à l'épreuve. Votre jouet technologique ne m'impressionne pas, amiral. Même si notre armement est assez puissant pour anéantir une planète, ce n'est que peu de choses comparé à la force. Oh, cessez de brandir votre baguette de sorcier dérisoire, Seigneur Vador. Et cessez de vous accrocher à l'ancienne religion. Ça ne vous a pas aidé à récupérer les plans qu'on nous a volés, ni donné assez de clairvoyance pour localiser la base des rebelles. Et d'ailleurs... Votre manque de foi me consterne. Cela suffit, messieurs. Vador, laissez-le. Comme vous voudrez. Maintenant, Altesse, je suis sûr que vous allez nous livrer la base secrète de la rébellion. De résistance au mental scope sont extraordinaires. Il ne sera pas facile de faire parler cette maudite princesse. Tous les essais sont terminés. L'étoile noire est maintenant opérationnelle. Quel cap devons-nous suivre? Peut-être que votre princesse réagirait mieux si on utilisait une autre forme de persuasion. Qu'avez-vous à proposer? Je crois que l'heure est venue de démontrer la toute-puissance de l'étoile noire, lieutenant Cap sur Alderaand. J'en suis ravi. Oui? Une de nos patrouilles a débarqué sur Dantooine. On a trouvé les traces d'une base rebelle, mais elle semble abandonnée depuis pas mal de temps. On est en train de faire des recherches intensives dans tous les systèmes voisins. Elle a menti. Elle nous a menti. Ne vous avais-je pas dit que jamais elle ne trahirait la rébellion, Seigneur Tarkin? Terminons-en, qu'on la mette à mort. Oui. Nous avons arraisonné un transport qui croisait près des restes du système d'Alderaan. Son indicatif correspond à celui d'un engin pirate qui s'est enfui de Mos Eisley. Ils veulent sans doute apporter les plans de l'étoile de la mort à la princesse Leia. Elle pourra encore nous servir. Il n'y a personne à bord. Selon l'enregistreur, l'équipage a quitté l'appareil sitôt après le décollage. C'est sans doute une ruse, mais plusieurs capsules de sauvetage sont manquantes. A-t-on trouvé des droïdes? Aucun. S'il y en avait, l'équipage les a emmenés ou détruits. Envoyez une équipe. Je veux qu'on fouille cet engin de bord à bord. Bien, monseigneur. Je ressens une présence. Une présence que je n'ai pas sentie depuis. On envoie une équipe technique. Je veux qu'on fouille cet engin de bord à bord.